Coucou tout le monde, alors là on se retrouve pour la vidéo des coloriages réalisés durant le mois de mars. Donc pour la première semaine, j'ai commencé avec un dessin de Grazia Salvo dans le Wild Soul. Alors j'ai fait toute la poupée, en fait tous les roses je les ai fait avec les Marco Tribute et tout le reste je l'ai fait avec les pastels Brunzel que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Après j'ai fait celui-ci, donc c'est un PDF Etsy de la boutique Kevin Théo Art et je l'ai fait entièrement avec les pastels Brunzel aussi et le fond au pan pastel. Après j'ai été dans le Color and Chic le volume 2. Et celui-ci, je l'ai réalisé au Brutfunner et j'ai fait le fond au Posca avec des paillettes Nuvo. Même la peau, je l'ai fait au Brutfunner et j'ai kiffé. Après, j'ai fait celui-ci, toujours de la boutique Kevin Théo Art. Donc, en fait, il a des gros yeux comme les tortues ninja. Donc du coup, bah, je me suis dit que j'allais le faire en tortue ninja. Et j'ai fait le fond au pan pastel. Et tout le reste au graphite sur du papier layout. Après, j'ai fait en duo avec Nabaya celui-ci. Alors, j'ai fait la peau au make-up, le fond au pan pastel. Et le reste, je l'ai fait avec les Brutfunner. Voilà, pour la première semaine du mois de mars. Alors là, on se retrouve pour la suite des coloriages réalisés sur le mois de mars. Donc j'ai fait le tigre de Emmanuel Collins, c'est dans le Wild Cat. Je l'ai réalisé avec les pans pastel et les Brunzel Color. J'ai adoré le faire, bien que j'appréhendais parce que bah, les animaux, je ne suis pas forcément calée dessus, je ne sais jamais comment m'y prendre. Après, je suis partie chez Color and Chic, j'ai fait donc la mariée, enfin la mariée, oui. J'ai fait une mariée un peu fashion. Je l'ai fait au Prisma et au Pan Pastel. C'est pareil, j'ai bien aimé le réaliser. Voilà, on voit mieux un peu de loin. Après, je suis retournée avec Emmanuel Collin et j'ai fait la fille avec la grosse fleur bleue. Celle-ci, je l'ai fait au Brunzel Color et au Pan Pastel. Donc pour le fond, je me suis pas trop cassé la tête. Et par contre, j'ai adoré utiliser ces crayons. C'est vraiment une belle découverte. Franchement, tant les coffrets que la qualité des crayons, c'est une tuerie. Après, je suis repartie dans Color and Chic et j'ai fait celle avec le serpent. Donc je l'ai fait aux Luminances. Make-up pour la peau et j'ai fait le fond avec les pans pastels. Après, je suis partie vers la boutique Etsy et j'ai fait ce dessin de Samantha, Jen Illustration. Et je l'ai fait avec les muséums entièrement de chez Carandache et le fond en panne pastel. Ensuite, je suis retournée chez Color and Chic. Je l'ai fait au Master Series Crayon Posca. Et make-up. Après, j'ai quelques illustrations de Misty Gris. Donc, j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait avec les crayons Posca. J'ai adoré le faire et je l'ai imprimé sur un papier décoré. J'en ai fait un autre de Misty Gris que j'ai également imprimé sur du papier décoré. Et celui-ci, je l'ai fait avec les crayons Montmartre.
et la peau avec les crayons Montmartre Skin. J'ai adoré réaliser, j'adore cet artiste. J'ai beaucoup de cadres à la maison avec des toiles de Mistigri. Donc là, après, je suis partie chez Grazia Salvo. J'ai fait le singe. Je l'ai fait en duo avec Nabaya. Et j'ai utilisé les polychromos pour le réaliser. Le prisma pour le fond vert et le make-up pour la peau. J'appréhendais beaucoup, pareil, pour le singe. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Il faut que je fasse le fond d'à côté. Là, je voulais le faire en vert foncé. Il faut que j'y pense. Après, je suis partie chez Christine Caron et j'ai réalisé la fille avec le lotus. Et donc celui-ci, pareil, j'ai adoré le faire. J'ai fait la peau avec le make-up. J'ai fait le fond avec les Prismacolor. Et j'ai utilisé un petit peu de pompe pastel. Après, je suis retournée chez Grazia Salvo et j'ai fait la fille avec le paon. Donc ça, je l'ai fait entièrement au gangui et j'ai fait la peau au make-up. Et le fond sur la deuxième page, ça, je l'ai fait au pan pastel. Donc bon, bah vous savez, hein, comme tous ces dessins, Grazia Salvo, je prends toujours un plaisir à les faire. Après, j'ai été donc retour vers Etsy et là, j'ai fait la boutique Kevin Théo Art. J'ai réalisé le kitsu. Donc, je l'ai fait avec les chromaflots et j'ai utilisé le pan pastel pour le fond. J'ai adoré en plus ces crayons. Franchement, je les adore. J'en ai fait un autre que je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. Et j'ai utilisé uniquement les drawings et les chromaflots. Et alors, les teintes au niveau du rendu, c'est top. Là, je suis repartie chez Grazia Salvo. J'ai fait l'ours. Je l'ai fait entièrement au Pablo. Et j'ai fait le fond avec les tributes aquarelles. Pareil, ceux qui ont un super coffret là, magnifique. Et ben, les crayons qui à l'intérieur sont super aussi. Donc, fond avec les marques aux tributes. Après, j'ai fait également en duo avec Nabaya le berger allemand. Je suis en train de le chercher, il est là. Donc, je l'ai fait au prisma entièrement. Make-up pour la peau, stickles un petit peu sur les vêtements. Et de l'artiste au blanc pour le fond. C'est le fond que j'ai fait au prisma et les vêtements. Après, j'ai fait un duo avec Sonia sur Mariola Budek et je l'adore, franchement. J'ai fait la peau avec les palettes Jeanne Davenport et tout le reste avec les Color Soft et les Tombow aquarellables, et j'ai aussi utilisé du make-up pour le fond. Après, je suis repartie chez Kevin Théo Art et j'ai fait la fille manga. Je l'ai fait au Tombow alcool, feutre à alcool Tombow, et j'ai utilisé du make-up pour faire la peau. Et je suis restée dans cette boutique là et j'ai fait celui-ci, et c'est celui-ci que j'ai fait entièrement avec les chromaflots et les drawings. Et vous voyez, au niveau des couleurs, je trouve qu'ils s'associent super bien avec ces deux boîtes là. Vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Après, je suis retournée chez Grazia Salvo, j'ai fait donc le lambe, le mouton. J'ai fait la peau au pan pastel et après, j'ai utilisé que les Color Soft et des Stickles. J'adore les Color Soft, j'aime beaucoup ces crayons. Et là, en vidéo, dans ma vidéo action, j'ai réalisé celui-ci pour faire le colo test avec les aquamarqueurs de chez Action. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai ajouté quelques détails. Alors là, on termine la vidéo des colos du mois de mars. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec les crayons Van Gogh. J'ai fait la peau au make-up et j'ai utilisé les stylos hybrides dual. Donc ça, franchement, celui-là, j'ai bien aimé le faire. De toute façon, j'aime tous les faire.
Et ça va être une fin de vidéo grâce à Salvo, hein, je vous le dis. Hein. En fait, j'ai fini le livre, bah, je vous l'ai présenté d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, j'ai fait les derniers qui restaient. Il n'en restait pas beaucoup en plus. Mais certains, j'appréhendais un peu. Alors, je suis en train de rechercher celui que j'ai fait après. Je crois que c'était plus par là. Ah, allez là. Après, j'ai fait la méduse. Je l'ai fait au Winsor & Newton et au make-up. J'ai adoré la faire également. Après, j'ai fait le lion. Alors lui, je l'ai réalisé avec les pastels de Carandache, oui. Et le artistro blanc. Après, j'ai fait le caracal. Non, je crois que le plus vers la fin. Ouais, il est là. Donc, le caracal, alors lui, je l'ai réalisé avec les Castellart et du make-up pour la peau. Et ensuite, bah, le dernier du livre, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait cuivre, argent, or, noir et blanc, gris. Et là, je l'ai fait avec uniquement avec les polis classiques et les polis métalliques. En fait, j'ai pris tous les métalliques, or, argent et cuivre. Et j'ai pris l'or, l'argent et le cuivre des polychromos. Et j'ai fait les peaux au maquillage et le fond au maquillage également. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, c'est une fin de vidéo tout gratia. Et bah, je suis trop contente parce que bah, c'est le 4e livre que je termine de gratia. Là, je suis en train de finir le mandala portrait qu'elle avait fait. Et ce sera le 5e quand je l'aurai terminé. Donc, voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié celle-ci et qu'on se verra pour la prochaine. Bisous bisous à tous. We'll be right back.